Salut à tous et à toutes, c'est encore Overdream pour le troisième épisode de Limbo et je suis toujours en compagnie de mes amis Minyamor. Salut. Et Quantixis. Salut. Et donc on venait de trouver la solution qui est toute simple en fait avec le poids, avec le choc de sa patte, elle a fait tomber le piège. Parce que croque-mort c'est pas un peu le mot adapté. Et donc tout simplement il faut le mettre sous sa patte. Pour qu'elle se fasse crever. Allez, n'aie pas peur. Ouf. Tiens, bouffe ça. Elle en va encore. Ouf. Tiens, bouffe ça. Elle m'a eu au dernier moment là. Donc il faut savoir qu'au dernier, elle nous. Ce qu'il veut essayer. Non, moi je veux bien, je vais passer. Vas-y, tiens. Donc c'était elle la touche d'action. Ah, il a une rente. Voilà. Donc c'était RL touche d'action, sauter, courir. Je te conseille de sauter par-dessus. Espace, ça sert à rien. Voilà. Super, Minyamor, c'est bien joué de ta part, franchement. Non, mais je vous remercie. Tu sautes par-dessus. Non, faut pas t'arrêter. Non, mais comme ça va être chiant pour la remettre. Faut que je prenne de l'élan, c'est ça. Mais non, tu sautes quand même, quoi. Parce que si... Non, c'est bon, vas-y. Je vais essayer. Mais non. Quand Texis arrête de faire le bâtard. Donc, Diablo X9 avance grave en un épisode que nous, on va rester bloqué pendant 10 ans chaque fois. Donc voilà, c'est pas ça le... T'attends bien. Et là, maintenant... Tiens, bouffe ça, connasse. Et donc, en fait, j'ai bien compris, il faut se reculer au dernier parce que sinon, on va se faire bouger. Fais gaffe là. Elle est plus rapide. Pourquoi elle va faire ça faux? Donc, le croque-mort, il est détruit. Elle est horrible comme araignée quand même. Ouais, normalement sans trop de problèmes. Voilà, je mets encore ses yeux dans le noir. Ah oui, là j'ai retrouvé mon mot de l'épisode précédent. J'adore la physique du personnage aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'animation quand il se suspend par exemple aux branches d'arbres et tout ça, là vous voyez la petite glissade et tout ça, ça c'est sympa. Faut dire l'univers est quand même assez glauque, vraiment glauque. Ouais, c'est clair. Toute l'étoile d'araignée derrière. C'est quoi tout ça là? Oula. C'est des pattes d'araignée. Les canons. Bah là je peux rien faire. Bah avance. Je peux pas avancer. Oh shit. Oh shit. Je suis bloqué. Attends, je peux rien. Oh faire. Shit. Oulala. Oh fuck you bitch. Non. Oh. En fait fallait pas que j'aille dans les pattes. Fallait que t'ailles où? Ah, sûrement que j'avais un truc à tirer mais. Oh, ouf. Ouf. C'est sympa. Un vrai cocon. Oh, je peux bouger. Ça se trouve c'était fait exprès. Si je peux me détacher. Ah, oh, c'était bien joué ça. C'est pas mal ça. Oh. Tu continues en cocon normal toi. Moi, je trouve ça vraiment classe. Oh, c'est marrant. Là c'est déjà beaucoup plus clair. Sûrement qu'on doit en avoir fini avec l'araignée. Et il faut peut-être trouver un moyen de... Non, ça va arriver. Je peux que avancer pour le moment. Là. Quand il existe un truc à dire, rapproche-toi du micro parce que sinon on va pas t'entendre. Ouais, pareil, je pense la même chose. Je te conseille de sauter au-dessus. Bon, on peut sauter. Ouf, okay. Ça fait des petits sauts, c'est marrant. Ça fait penser à Worms un peu, le personnage, comment il se retire.
fais des gros sauts comme ça. Peut-être à glisser, peut-être tu vas t'enlever ton truc. Oula. Ok, fallait sauter. Ah, il y avait une boule donc sur moi. Sûrement fallait la pousser. Je vais. On va faire avancer un petit peu, puis là je précise que c'est Miniamor qui joue. Saute. Voilà. La boule par contre. Mais risque pas de m'écraser, ça je pense pas. Ça c'est sympa, non? Alors là par contre, je pense qu'il faut que je recule parce que là c'est pas. Alors je vais essayer un petit peu. Ouais, je me doutais bien que le truc allait m'écraser. Fallait que tu sautes, non, je pense. Ouais, faut que tu sautes, là, fais gaffe. Et là, vas-y, stop quand elle va tomber. Stop, stop, ok. Je l'avais vu venir tout à l'heure, mais j'étais pas assez rapide. J'aime bien les petits sauts qu'elle fait. Qu'il fait, pardon. Ah putain, ça va être chaud ça. D'accord, en fait, faut tenir en équilibre. Ouais, au pire, bah pour le suspense, hein, les gens. Au pire, ouais. On fait ça et on arrête après. Ouais, on fait ça, je... Ouf. Ah merde, il y en avait encore, j'avais pas vu. Il y a carrément un gros truc à faire. Bah, pour que ça fasse bien 5 minutes, je pense au moins on fait ça et après on s'arrête là-dessus. Même si ça a dû dépasser 5 minutes, je pense. Ouais. Après, nous, on va finir notre petite soirée tranquillement. Voilà. Et demain, je vais aller faire un petit tour sur Steam, voir les offres. On va y aller voir, voir ce qu'il y a là. Play, ouais, au pire, ouais. Oh, il y a l'araignée, regarde. Oh là. Ah ouais. Oh putain, j'aime pas ça. Sûrement qu'elle va t'enlever de la toile. Eh, je vous jure, j'aime pas quand elle est à côté de nous, ça. C'est le boss du jeu, ça. Elle me fait vraiment flipper. Je te conseille de sauter là parce que sûrement qu'elle va t'attraper. Attends, non, tu vas mourir. Ouf. Ah, voilà. C'est tellement bien fait là. Il y a une larve encore sur nous. Ouais. Ah, c'est sympa. Bon, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était. Miniamor. C'était Overdream avec Miniamor et Quantixx. Salut. Salut. Salut tout le monde. Bam.